futur. Non, au contraire, un Omnic, ça se voit à 1 km avec la chaleur thermique. Pas forcément, ou alors peut-être que c'est des drones spécialement... conçus pour la discrétion, mais là, non. Je vais essayer d'aller voir par moi-même. Vas-y. Au pire, en fait, les formes, je remarque que c'est plutôt une forme humanoïde ou bien... C'est humanoïde et c'est... ça... C'est immobile. C'est immobile, humanoïde avec une basse chaleur temporelle, ce sont... des cadavres. Allez, salut. Je vais dire des zombies. Ça, tu vois que ça marche un petit peu, comme si c'était un peu perdu. Ah, ce ne sont pas des cadavres. Ce sont des zombies. Quelqu'un vient de parier sur le humanoïde. Mais oui, mais les zombies, évidemment. Rappelez-vous de ce discours sur Mass Effect. Oui. Bon, plus sérieusement, je pars en éclaireur à voir ce que c'est. Ok. Je suis toujours invisible, on est bien d'accord. Eh oui. Je peux leur dire si c'est proche ou non. Bah écoute, tu t'approches vraiment? Oui. Tu t'approches? Proche. Tu avais dit qu'avec le niveau que j'ai, eh ben, on n'est pas. C'est très difficile de capter ma température. Donc oui, je m'approche. Un doux bruit. Un doux bruit. Non. Alors, zombie, tabletop audio. Non, c'est zombie horde, là. C'est pas ce que tu viens de changer. Et c'est pas le truc que je voulais mettre, à la base. Ah. Effectivement, tu vois, effectivement, ma petite Kunoichi, un sacré amas. De, comment m'exprimer de mort vivant, oui, il n'y a pas d'autre mot. En pleine promenade de santé nationale. Exactement. Ok, d'accord. Ils sont à peu près combien? Oh, je dirais une bonne trentaine. Lance-flamme. Alors, mais j'en... j'envoie un message à notre radio de service, donc Jenkins. Je vais pas parler. Hein. T'as déjà vu les. Tu connais Romero? Mm-hmm. Bon Dieu, qu'est-ce que c'est? J'envoie une photo. Ah, c'est beau. C'est de l'art post-moderne. Tu dis ça parce qu'il y a mort dedans? Non. Je dis ça parce que... Parce que c'est moche. J'ai oublié de demander, est-ce qu'on a une, genre, une sorte de... d'oracle qui synchronise la mission enfin. Non. Vous n'avez ni oracle, vous n'avez ni Athéna. Non, c'est pour ça que je dis qu'on utilise notre radio sur patte. Jenkins. Kunoichi. Non mais pour éventuellement être une autorité supérieure. Kunoichi, sérieusement. Sérieusement, fais gaffe, Jonas, ça commence sérieusement à faire mal aux oreilles. De quoi tu parles? Ton micro. T'as l'air de frotter le micro ou je sais pas quoi. Je sais pas quand tu le frottes, mais bon. Donc, écoute, Kunoichi. Comment m'exprimer? Ils m'ont repéré? Écoute. Non, mais tu peux le dire tout de suite s'ils m'ont repéré. Hein. Tu sais ce que ça veut dire? Ah, c'est un œil. Non. Ça, c'est votre karma. Ça, c'est là, mon point de maléfique. Voilà, exactement. C'est mon point de maléfique. Mais. Voilà. Sachant qu'elle en a deux. Sachant que vous. De combien? Il y en a quatre en tout.
Vous en a... Il y en a 8 en tout. Cependant, j'en ai 6. J'en ai 2 avec moi. Vous en avez 6. Là, vous allez en avoir 7. Très bien. Ma chère. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-le-moi. Ben en fait, tu te rends compte que non seulement ils t'ont vu, mais d'après les cris que tu entends du côté de tes camarades, il y en avait également derrière vous. Ah, c'est beau. Et donc, comment ça se fait que Jenkins les avait pas remarqués? Parce qu'ils étaient derrière lui. C'est pas à 360 degrés, son truc? Ah bah non, c'est un robot de merde. Oui, mais je veux dire, vu que c'est un robot, il a pas besoin de se limiter à 2 globes oculaires. C'est Non. Non, il fonctionne pas. Mais qui les a inventés, sérieux? Du coup, tu vois que ces saloperies sont potentiellement, tu n'es pas sûr, mais tu dirais qu'elles sont très très rapides. Mais moi aussi je suis rapide, t'inquiète pas. Tu vas me faire un jet avec un malus de moins 5? D'accord. Je suis juste à 10, enfin, si c'est avec la Dex, j'imagine. Mais bien sûr, c'est avec la Dex. Dex plus athlétisme. Je suis à 10. Ah, c'est beau. Allez, je peux le faire. Ta gueule. Ta gueule, roll 20. Tu cours et tu entends qu'il commence à te rattraper. D'ailleurs, vous autres, faites-moi aussi vos jets. Même malus. Ah. Oh. Ah, ça c'est beau. Merci. Merci. Alors, une règle que j'ai oublié de parler. Quand vous faites un échec critique, je vous file un point de karma. En revanche, vous faites une réussite critique, je reprends un point de karma. Parce que les réussites et les échecs critiques sont violents. Quand je dis violent, par exemple, c'est que... Jenkins et Noé, vous n'avez pas besoin de faire vos jets, vous voyez simplement que Rock fonce et qu'il vous pend sur vos épaules. Ses épaules. Mais il a pas fait exprès. Trop tard. Ah non, mais oui. Non, parce que écoute, moi j'étais à moins 2 pour réussir à manger, alors que le petit de réussite critique, il me va bien, tu vois. J'ai 1 en athlétisme et 2 en dex. Alors comment te dire que... Voilà. Donc, Rock, tu cours! Comme un Rock. Oh putain! Il t'a oublié de la sortir au moins une fois. Tu cours! Tu vois la croix rouge en haut à droite? En haut à droite? Non. Clic. Il en a pas chez moi. Alors, tu cours! Très vite! Oui. Très très vite! Get a go fast. Tu y mets tout ton corps! Tu les tiens bien. Tu tiens bien tes collègues. Cours, tu y vas, tu y vas, tu y vas, tu y vas, tu y vas. Tu cours, 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 cours. Tu vois Kunoichi. Qui elle en revanche est en train de se faire rattraper sévère. Tu chopes le boule. Non. Tu la vois juste qu'elle est un petit peu en train de galérer. Mais tu as deux de tes collègues sur les bras. Ah. Il fait un radeau, il a risqué les ondes. Tu veux essayer de la choper, Jenkins? Oui, mais pas le Jenkins. Ok. Fais-moi un jet de corps à corps plus dextérité. Ça passe. Il a un bonus. Je suis d'accord. Il t'a chopé. Tu vois, t'étais sur le point de te faire attraper par ces saloperies. Tu vois qu'il te tient la main. Qu'il arrive à te rattraper sévère. Tu arrives à monter sur le dos de Rock. Rock, il n'en a mais rien à péter. Il court pour sa life. Et celle des autres. Accessoirement. Donc, voilà, Jenkins et Noé, d'ailleurs, vous voyez que les saloperies, mais elles courent. Voilà, c'est loin en fait du zombie de Romero qui est complètement lent en décomposition et autres. Non, non, eux ils courent. Ils vont vite, très vite. Eux c'est World War II. C'est la Ford Dead.
Au moment où, en fait, d'ailleurs, Rock, au moment en fait, où tu allais en fait faire un virage, hein, tu remarques juste à temps des putains de saloperies de zombards qui commençaient à venir te voir, mais tu sais, vers l'avant. Du coup, tu as le réflexe d'aller vers un virage et tu arrives vers une échelle. Que fais-tu ? Donc, j'ai toute ma team sur le dos, littéralement. Oui ! Et t'as combien en force déjà ? 4. Il a la force. Il a risque critique. La force est avec lui. La force est avec moi. Reste à savoir quel côté. Bah, c'est à dire que je me mets plus ou moins dos à l'échelle pour que chacun puisse déjà l'atteindre. Que je me. Peut-être qu'elle est en hauteur, je sais pas. Et je passe en dernier. Ok. Donc, vous allez me faire une série de. De G. Ah. Ça va être dextérité plus athlétisme. Pour savoir à quelle vitesse vous atteignez l'échelle. Toujours le même malus. En sachant que je considère que Noé vous aide. Que. Ok, Noé. Que Rock vous aide. Vous avez un bonus de plus 5. Oui, d'accord. Donc, moins 5 en fait. J'ai dit un bonus. Oui. De 5. Non, c'est la réussite crise. Moins. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est si on a le même malus que tout à l'heure, donc... Non, c'est justement ce que je dis. Vous avez D'accord. un bonus cette fois, ça fait 3 fois que je vous le dis. D'accord, non, j'avais mal compris. Un bonus de plus 5. Alors, tu vas pleurer. Chez moi je... Noé hein Non, non, Noé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah oui. En fait, voilà, refais ton G, je t'autorise à faire le G. En fait, ce qui se passe... Ce qui se passe, en fait, c'est que le plus 5, c'est par rapport au chiffre que tu dois faire. Ah oui, voilà. Mais ça revient au même en fait. Mmh. D'accord, si tu veux. Mais non, mais c'est pas ça, comment est-ce qu'on enlève le target number ? Va chier. Moi je préfère le target number. Donc, plus sérieusement, alors. Jenkins n'y arrive pas, Kunoichi n'a aucun problème. Pourquoi ? Bah, quand il faut faire des chiffres qui sont bas, je fais des chiffres qui sont hauts. Parce que c'est le maléfuck. Ok. Première série. C'est Kunoichi a réussi à monter. Jenkins et Noé, refaites-moi un G. Un des 20, ça ah, toujours un des 20. Toujours le même bonus. Noé, il n'y arrive toujours pas. Et non. Jenkins. Non plus. Rock, est-ce que tu veux faire un G pour les aider? C'est l'échelle du MGS3. Bah je fais plus ou moins la courte échelle, ouais. D'accord, donc en fait tu vas me faire un jet de force plus corps à corps. Merde, mais... Excusez-moi, alors. Force plus corps à corps. Oui, oui. 4 et 6. 10, et ouais. Donc là juste un des 20. Vas-y. Ah c'est beau. Ah oui. Merci. Alors moi c'est soit tout soit rien. Hein. La musique change. Elle est où? Il me la faut. C'est le moment. What a free. Allez, sois pas timide. Come to see you again. Presque ça. Ah la voilà. D'accord, alors. Moi je l'avais mis pour mon hélicoptère dans MGS5. Alors j'ai une question. Tu considères actuellement que tu es des qui? Ah, attention, fais pas le con, Philippe. Fais pas le con. Jenkins, mais c'est pas contre toi. Hein. C'est toi, tu peux pas être transformé en zombie. Je te tuerai. Bah écoute, en fait, tu aides effectivement Jenkins. En fait, c'est parce que tu le propulses. Tu le propulses bien. Tu le propulses fort. Tu le propulses. Tu s'enfonces dans le plafond, effectivement. Aïe. Voilà.
C'est tellement cartoonesque. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, en faisant ça, donc, tu as...